Song Jin Koya, please sit down. Ông chủ nhiệm đây, tôi là bùng và cả tổ sạm nạc ca. Môn trầy, tôi là ca anh chương sạ xây phong sổ bì dô chôl căn vật tục sạm nạc ca. Chỉ cách bản tồn này, đồng nào cả nâng sát đập, sát khai căm rồi bỏ, sát xây phong xô bị dấu bản tồn vì sát khai căm để gọt bàn phát đoàn vì một sơ mình. Hãy chỉ đồng bồn này, ông nhầm ra. Xua tới lúc xây chắc crom này, ông nhầm là đồng bồn thật ta miền sầm nô ở vấy. ត្រូវសួរដល់សាក់សីរូបនេះទេមិនមានទេគឺខ្ញុំមានទំនោរមួយលោកប្រងសួរពីសូនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខម៉ោង 13 ក្នុងអំឡុងពេលពីខែ10រហូតដល់25ខែ12ឆ្នាំ1971នោះតើលោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងមន្ទីរម.13នោះមានកម្មាភិបាលបុគ្គលិកសរុបទាំងកងការពារផងដែលលោកកត់សម្គាល់ឃើញមានប្រហែលប៉ុន្មានអ្នកទៅ François Bizeau. Monsieur le juge, j'ai tenté de le faire, mais sans précision. J'ai tenté par la suite de le faire. Il y avait doute, son adjoint, et un ou deux Khmer plus jeunes, qui étaient des responsables. Avec des responsabilités moindres que celles de Doute et de son adjoint. Les gardiens eux-mêmes, ceux en tout cas qui étaient affectés à mes propres déplacements, enfin à mes éventuels déplacements, pouvaient être au,
au nombre de trois et peut-être deux autres pour les autres prisonniers. Peut-être qu'il y avait cinq gardiens, six gardiens en tout, avec quelques rotations rares. Ça fait donc cinq et peut-être une dizaine de personnes. Mais je ne suis pas sûr de ce chiffre. ជាកិច្ចបន្តនេះអង្គជំរះសូមបុគ្គលវេទិកានេះជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាក្នុងការសួរសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះប្រសិនបើមានសូមអញ្ជើញសហប្រញ្ញាលោកប៊ីសូសូមលោកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមើលអ្នកទោសខ្លះដែលលោកបានឃើញចូលមកដល់3 François Bizot. J'ignore où le père de la petite fille a été emmené. J'ai le sentiment qu'il a été emmené à la mort. La petite fille est restée dans le camp. Et comme je l'ai dit hier, elle a été prise au sein de, des jeunes gardiens, de l'entreprise des jeunes gardiens. Et elle a assisté assez rapidement au... confession aux autocritiques du soir qui était aussi animée par des chants et je me souviens la voix sans participer aux questions et aux réponses mais taper dans ses mains et esquisser les mots des chansons révolutionnaires qui étaient chantées avant et après les interventions de chacun. Je me souviens aussi que par la suite, en une quinzaine de jours, elle est devenue une petite fille qui était acquise d'une certaine manière aux démarches des gardiens. Ensuite, je ne me souviens plus, est-elle restée dans le camp où ai-je été libéré avant son départ, je ne peux pas donner davantage de précisions. Je ne m'en souviens plus. Neuf ans parce que je lui ai demandé son âge. ដោយសារតែខ្ញុំសួរគាត់គឺថាគាត់អាយុ9ឆ្នាំក្មេងនឹងអាយុ9ឆ្នាំខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយទៀតសូមលោកបញ្ជាក់សារជាថ្មីពេលដែលគេដោះលែងលោកចេញពីមកដបីតើសហការីរបស់លោកឈ្មោះសុកនឹងឡាយត្រូវគេដោះចេញដែរឬអត់ François Bizot. Mes deux assistants Khmer, mes deux compagnons, n'ont pas été libérés. Ils ont été, m'a dit Douit, libérés, mais sur place. C'est-à-dire qu'ils n'étaient plus entravés et qu'ils allaient participer aux travaux du camp, aux démarches, en tout cas, ils resteraient en terre libre, en territoire libéré, disons, par rapport, c'était l'expression qui était employée, par rapport aux zones qui étaient encore sous le contrôle des gouvernementaux. L'explication à cela, parce que j'ai tenté vainement d'attirer l'attention sur
l'incohérence de considérer que j'étais innocent des faits qui m'étaient reprochés, d'une part, et d'autre part, de ne pas considérer que mes deux compagnons le soient aussi. Il m'a été répondu qu'ils étaient khmer, que j'étais étranger, que ma place était donc de ne pas rester dans ce camp. En revanche, eux seraient libérés en terre sous contrôle Khmer Rouge. Je sais malheureusement qu'il n'en a pas été ainsi et qu'ils ont été exécutés. Je sais malheureusement qu'il n'en a pas été ainsi et qu'ils ont été Merci, Monsieur le Président, Madame la Juge, Monsieur les Juges, Monsieur Bizot. Quelques questions. D'abord, vous nous avez parlé à quelques reprises de l'adjoint, ce que vous présumez être l'adjoint de l'accusé, qui, si je comprends bien, est le premier officiel du camp avec qui vous avez eu contact, un contact que vous avez décrit comme étant plutôt désagréable. Avez-vous été en mesure, à l'époque ou depuis, avec une certitude qui vous satisfait, d'établir son identité? Quel était l'adjoint de l'accusé à l'époque? Son nom? Je n'ai aucun souvenir de son nom, bien que je l'ai su, mais je n'ai pas pu m'en rappeler. J'ai vu à plusieurs reprises ce responsable du camp qui était en effet dont le comportement était brutal et tout à fait insensible aux autres, mais d'une manière notoire. En revanche, il n'y a pas si longtemps, apprenant qu'un, mais ça ce sont pas des souvenirs qui se reportent à M13, c'est des ajouts que j'ai moi-même été amené à faire en fonction des informations récentes que j'ai entendues, un des adjoints de Dout à S21, si je peux me faire une référence à S21, était un dénommé Mom Mai, je pense que c'est un nom comme celui-là. Et j'ai pensé qu'il pouvait peut-être s'agir de lui. En même temps, les descriptions de cette aide à S21 le dépeigne comme quelqu'un de particulièrement grand et même, si j'ai compris, sinon albinos, en tout cas avec une décoloration de la peau, qui ne correspond absolument pas à l'aspect physique dont je me souviens qu'avait cet adjoint de Dout à M13. Merci. D'autre part, vous nous avez décrit hier, dans votre témoignage, que de l'endroit où vous étiez détenu, retenu plutôt, vous pouviez observer à au moins une reprise l'accusé, de toute évidence interrogeant un prisonnier, le père de la petite fille. Suite à, entre autres, la remise d'un dossier
par le garde qui accompagnait le détenu à l'accusé. J'ai cru comprendre dans votre témoignage que cela se déroulait donc en vue et au sud du camp, ou enfin dans un endroit ouvert, à la vue de tous. Avez-vous pu observer d'autres situations de ce genre où l'accusé, vous m'excuserez le terme, travaillant à la vue et au sud de tous, interrogeait ou avait interagi avec d'autres prisonniers et d'autres échanges de dossiers ou de documents par rapport à ces interrogatoires? Pour être témoin de cela, il fallait qu'il ne pleuve pas. Douit mettait la table, une petite table mobile à l'extérieur, sous l'auvent du baraquement des gardiens. L'intérieur de l'auvent du baraquement, je l'ai vu une fois, et il était tendu de hamac. Les gardiens dormaient dans des hamacs. Et quand il ne pleuvait pas, je pouvais voir Douit travailler à sa table. L'accusé travaillait à sa table. En revanche, ça n'était pas du tout à la vue de tout le monde, étant donné que si ce baraquement était effectivement contigu au baraquement où étaient enfermés les autres, enfin, les prisonniers ne pouvaient pas voir aisément les va-et-vient des gardiens dans leur baraquement. Pour la bonne raison, c'est que le baraquement le plus rempli était à droite de celui des gardiens et que les prisonniers étaient nécessairement et toujours allongés. Le baraquement qui était en face de celui des prisonniers que je viens de mentionner pouvait voir probablement ce qui se passait dans les baraquements, enfin en tout cas autour du baraquement réservé aux gardiens. Néanmoins, ça n'était pas celui qui était le plus, où il y avait le plus de prisonniers. Et de toute manière, comme il pleuvait souvent à l'époque où j'étais dans le camp, la plupart du temps, Douit était à l'intérieur. Et c'est donc, pour répondre à votre question, M. le procureur, le seul souvenir où j'ai vu quelqu'un entrer et repartir presque aussitôt. La plupart du temps, les gens que je voyais entrer, je ne les voyais pas ressortir, ou quand je les voyais ressortir, si je pouvais reconnaître quelques-uns de ceux que j'avais vus entrer, c'était au bout d'un certain temps. Lui, il est arrivé et il est ressorti. J'ai vu aussi des militaires arriver un soir et repartir le lendemain, un grand groupe de militaires qui étaient déchaussés et qui a mis le camp en émoi parce que le problème de sécurité, le nombre des jeunes gardiens n'était pas suffisant pour faire front à une tentative d'évasion de ces nombreux militaires. Merci. Quant à l'autre partie de ma question, avez-vous eu l'occasion de voir d'autres échanges de documents ou de dossiers, à part évidemment ce qui vous concernait vous-même, dans le cadre de détention ou d'interrogatoire? Je n'en ai pas le souvenir. Merci. Maintenant, peut-être est-ce une question de traduction? Mais hier, vous nous avez relaté de manière très éloquente le dernier repas avant votre libération. Et particulièrement la conversation que vous avez eue avec l'accusé
dans laquelle il vous a avoué avoir lui-même battu des prisonniers pour les faire avouer. Vous nous avez cependant, et encore une fois, je demanderai votre indulgence si la traduction n'a pas été fidèle, mais vous avez semblé dire que par le même souffle, Dieu vous a exprimé que ce travail le faisait vomir. Je crois, attentivement regardé votre livre, relu votre livre, relu votre PV d'interrogatoire pendant l'instruction, et je n'ai noté nulle part qu'à quelque moment que ce soit, et encore moins lors de ce repas, l'accusé, pendant ces trois mois, vous a exprimé quelques remords ou quelques anxiétés par rapport, encore là, vous m'excuserez, ce travail. Alors, pourriez-vous clarifier si effectivement vous maintenez aujourd'hui ou vous vous souvenez aujourd'hui de ce remords apparent qu'il vous aurait exprimé lors de ce souper, de ce dîner, ou s'il s'agit là peut-être d'un espoir que vous auriez ou un souvenir, que vous auriez même. Oui, monsieur le procureur, je suis moi-même embarrassé sur un point particulier, c'est que témoigner objectivement de ce qui s'est passé sous mes yeux est une chose. Rapporter au moyen de l'écriture ce que j'ai vécu en est une autre. Si la part d'exactitude des événements et des faits qui se sont produits et que je relate dans mon livre ne va pas au-delà de mes souvenirs, je n'ai pas tout vu, loin s'en faut. Et quelqu'un d'autre aurait dit les choses autrement et vu des choses que je n'ai pas perçues. D'autant plus que je n'ai pas sollicité, ma mémoire consciente, d'une certaine manière, pour rendre compte 30 ans après des effets produits sur moi par une épreuve dont il n'était pas prévu que je sorte vivant. Et j'ai donc dans ce livre, j'ai parlé d'un ressenti. Rendre maintenant objectivement un témoignage sur ce qui s'est passé pendant 3 mois, 38 ans après, est une autre affaire qui demande infiniment plus de ma part de précaution verbale. Je dois dire que pour répondre à votre question, je n'ai pas entendu exprimer de remords. Je crois me rappeler l'extrême désagrément la grande gêne de doute lorsqu'il m'a dit qu'il lui arrivait de frapper des prisonniers, Il ne me l'aurait pas dit, je ne l'aurais pas imaginé. Mais me l'ayant dit, je retiens cela. Les termes qu'il a employés pour me le dire, je ne peux pas les confirmer. Je me souviens simplement que c'était dans un élan de spontanéité, d'une sincérité, du travail qu'il avait à faire et qu'il considérait que c'était un travail qu'il était obligé de faire en se forçant. En
en en faisant un devoir. Si le mot hier a été de dire que ça me faisait vomir, je pense que je ne me souviens plus ce que j'ai dit hier, mais je pense que c'est peut-être ça n'est pas le mot qu'il a employé. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'avoir un devoir n'est pas nécessairement, on n'a pas nécessairement à se forcer pour faire un devoir. Corrigez-moi encore si je me trompe. Vous nous venez de nous dire qu'à aucun temps, pendant votre détention, l'accusé a exprimé des remords. Et que lors de cette conversation-là, que vous relatez d'autre part dans votre livre, dans votre procès-verbal d'interrogatoire, et entendons-nous bien, il est bien clair que 30 ans après, dans les circonstances que vous avez vécues, nous comprenons tous que votre témoignage reflète ces circonstances. Mais entendons-nous bien, cette obligation de faire ce genre de travail, vous ne la relatez pas dans ces documents, mais vous nous le dites ce matin, est-ce que ça serait exact de dire que c'est plutôt une impression que vous avez eue et non pas quelque chose que Doyle vous a dit lui-même? Il m'a dit que c'était un travail qui lui revenait. J'ai peur de me rappeler de ce que j'ai écrit. Voyez-vous, d'avoir écrit a d'une certaine manière lavé ma mémoire, la vidé. J'ai peur de me rappeler, de ne pas pouvoir me rappeler de, réellement des souvenirs que j'avais avant d'écrire ce livre. Et ayant tout écrit, peut-être que ma mémoire s'est vidée d'une certaine manière. Et j'ai peur de répéter ce que j'ai écrit. Je crois néanmoins me souvenir que Doute a exprimé que ce travail, il le faisait sans plaisir, comme une obligation, parce que les prisonniers ne diraient pas la vérité d'eux-mêmes. Et pour être bien clair, cette conversation se tient alors que vous êtes avec d'autres cadres et dont un au responsable, ou c'est en parallèle vous-même avec d'autres? Non, c'est la veille de ma libération. Je n'ai pas été libéré le 24 décembre, mais le 25 décembre. Et ce contretemps qui a fait que j'étais libéré donc un jour plus tard a laissé une sorte de battement dans la soirée. Et c'est un moment où il y avait Doit et moi-même qui me suis approché du feu où Doute était assis, ou inversement. Et il n'y avait personne d'autre sauf un jeune gardien qui est venu au bout d'un certain temps et qui a chanté une chanson révolutionnaire. Vous avez témoigné à l'instruction, comme hier, que vous-même n'avez pas été victime de torture physique. Merci. Mais qu'en est-il de la torture psychologique? Et plus précisément, vous nous relatez dans votre livre deux incidents. Le premier, dans lequel l'accusé vous avez fait croire que vous étiez finalement, que vous aviez été finalement découvert, trouvé coupable, et que donc vous en supporterez les conséquences. Et cet incident, évidemment, crée chez vous une réaction. Et devant cette réaction,
Deuk vous annonce. Non, non, c'est une blague. Pourriez-vous me confirmer si effectivement cet incident est arrivé tel que je le décris ou décrivez-le-le si je manque certains détails et nous confirmer qu'effectivement cet incident est arrivé? Je vous confirme totalement. L'accusé est là pour s'en rappeler. S'il est difficile de se rappeler par contre de certains mots employés à l'époque, s'il est difficile par contre de se rappeler certains mots employés à l'époque, soit par lui, soit par moi, en revanche, cet intermède au retour d'une de ces sorties hebdomadaires est extrêmement clair dans ma mémoire et je confirme donc effectivement qu'il y a eu une plaisanterie autour du fait que sur la finalité de ma détention, c'est-à-dire qu'il m'a, d'une certaine manière, dit que, j'avais été découvert, que j'étais démasqué. Et je pense que c'est la première fois que Doute m'a parlé en français. Ma réaction a été d'autant plus vive que je savais, depuis la veille, qu'il partirait, qu'il passerait la journée à parler avec des responsables, ses supérieurs, et que mon cas serait à nouveau évoqué. Et comme ça faisait déjà 3 mois que j'étais là, ça ne pouvait pas durer tellement plus longtemps non plus. Et quand il m'a, donc, il a simulé devant moi que j'étais démasqué et donc les accusations qui étaient portées contre moi implicitement étaient justes, je me suis effondré sur les genoux. Et c'est là qu'il m'a relevé en me disant que c'était une plaisanterie, que je serais libéré. Et pourriez-vous nous parler d'un autre incident de ce type où cette fois-là, l'accusé aurait fait usage de votre relation avec votre collègue et ami Son pour aussi vous faire croire à des conséquences et par la suite vous annoncer que non, c'était encore une fois une blague. Monsieur le procureur, est-ce que vous faites référence à, cette, à ce qui s'est passé une fois que nous étions tous mes deux compagnons avaient été détachés et que moi-même j'étais libre de me déplacer dans le camp et qu'à un moment donné, ça s'est d'ailleurs peut-être produit au moment où Douy a demandé à un jeune gardien de détacher la Essonne, est-ce que vous faites référence à cette remarque qu'il a fait à Son en disant, si je me souviens bien, Bizot, j'aurais dû relire mon livre avant de venir parce que je ne me souviens plus ce que j'ai écrit. Mais il y a eu une scène d'une certaine manière, plaisanté en disant à Son, j'étais très lié avec Lai. Je connaissais Lai depuis 5 ans. Nous étions tout le temps ensemble, nous travaillions ensemble. Son était employé à la conservation d'Angkor depuis, je pense seulement 6 mois. Il était jeune marié et j'avais peu de relations avec lui, je le connaissais beaucoup moins.
Donc quand nous étions trois, c'était quand même presque toujours avec Lai qu'il y avait une communication directe, d'autant plus qu'il était plus expérimenté dans son travail que Son. Et Duit a dit à Son, Bizot va partir et il y a le choix entre Lai et Son, entre toi et Lai d'être libéré, mais Bizot a pensé que c'était toi, c'était Lai qui serait libéré et que toi tu pouvais rester, que tu resterais, alors que Lai va partir avec Bizot, ou serait libéré avec Bizot. Donc silence de la part de Son, et il dit, est-ce que tu me crois? Tu crois que c'est possible? Et à ma grande souffrance, Son a répondu, oui, je crois que c'est possible. Et finalement, je crois que Duit a dit, oh, voilà enfin quelqu'un qui nous croit. Mais il a ri, et puis Son a été détaché en même temps que Lai. Merci. Pas d'autres questions? អរគុណលោកចៅក្រមខ្ញុំអរសំណួរហើយជាកិច្ចបន្តអង្គជំរះគុលវេទិកានេះទៅមេធាវីតំណាងដើមរដ្ឋវិនីដើម្បីញ្ញនឱកាសក្នុងការសួរសំណួរដល់សាក្សីរូបនេះហើយជាតបងនេះសូមអញ្ជើញមេធាវីក្រមមួយមុន Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Bizot. Mon nom est Alain Werner, je représente 38 parties civiles dans ce procès. J'ai juste quelques questions pour vous. La première question, vous avez mentionné hier votre statut privilégié à M13. Et pour reprendre vos mots, vous avez parlé d'un traitement de faveur, notamment par rapport à la nourriture à un certain moment, et puis aussi par rapport au fait que vous n'avez pas été frappé. Et il était clair dans ce que vous avez raconté hier et dans votre livre que c'est l'accusé qui vous a accordé ce traitement de faveur. Est-ce que vous savez, M. Bizot, si l'accusé avait obtenu une autorisation préalable de ses supérieurs avant de vous octroyer ce traitement de faveur? Je ne peux pas savoir, je ne peux même pas dire que j'imagine ou que je ne l'imagine pas, j'ignore totalement. Je ne peux pas répondre à votre question. Et hier, vous avez mentionné le fait que l'accusé parlait peu et vous avez dit qu'il était très investi dans ses responsabilités de chef de camp. Monsieur Bizot, qu'est-ce que vous avez vu ou qu'est-ce qu'on vous a dit qui vous a fait comprendre cela? Ça ressortait de la personnalité évidente de l'accusé, déjà à cette époque, et ensuite de la réputation qu'il avait parmi les gardiens. Les jeunes gardiens avaient beaucoup de respect pour l'accusé sur la base des nombreuses heures de travail qu'il effectuait sur les dossiers. Sur les dossiers, il travaillait beaucoup. Et cela lui avait donné une réputation de sérieux et de responsable qui inspirait un certain respect chez les gardiens. Ensuite, probablement que l'autre impression de cela, enfin j'ai pu moi-même constater que
mes déclarations étaient toujours ce que j'écrivais ou ce que je disais était toujours confronté avec ce que j'avais dit une semaine avant ou deux semaines avant. Et cette confrontation entre mes dires se faisait avec beaucoup de soin. Et ensuite, dans les derniers jours, les deux derniers jours, au moment où j'ai été libéré de mes chaînes et que j'ai pu parler avec Lai et Son et aussi avec quelques-uns, ce n'était pas des discussions, mais échanger quelques impressions, quelques phrases avec mes co-détenus, c'était la réputation de l'accusé, d'être quelqu'un d'investi dans son travail et de responsable. Juste pour clarifier deux choses, hier vous avez dit à un moment donné, quand on conduisait quelqu'un à la mort, on ne le lui disait jamais. Et puis ensuite, répondant aux questions du juge Laverne, il m'a semblé que vous n'aviez pas été témoin d'exécution. Quand on conduisait quelqu'un à la mort, on ne lui disait jamais. Pourquoi est-ce que vous avez dit cela? Est-ce que vous pourriez clarifier? Je peux déjà parler pour moi-même. Puisque, quand j'ai le premier jour de mon arrestation, avant d'arriver à N13, quand j'ai été jugé et ensuite, sinon condamné à mort, mais emmené yeux bandés et ligoté avec en armes autour de moi, je disais, où m'emmenez-vous? La réponse était toujours, autorité. Ça n'a pas d'importance de t'en faire pas. Et je crois que cette expression m'était dite, quel que soit réellement l'endroit où on m'emmenait, il se trouve que je n'ai pas été exécuté, mais j'ai quand même eu vraiment l'impression que c'était mes derniers instants, et il y avait toujours cette autorité. Ensuite, mais là aussi, il y a certainement des anachronismes dans ce que je suis amené à dire, c'est que il était évident que cette autorité était cette expression, ça n'a pas d'importance, ne t'en fais pas, continue, marche, avance, devait être et m'a été confirmé par la suite, notamment quand j'ai retrouvé quand je suis revenu au Cambodge et que j'ai parlé avec des gens qui avaient été avec l'Éclair Rouge pendant les 4 années de 75 à 79, il semble que on ne disait pas aux condamnés à celui qu'on allait exécuté d'un coup de bêche ou d'un coup de gourdin, on ne lui disait pas jusqu'à la dernière seconde qu'il allait être exécuté en dépit du fait que, de toute évidence, il allait l'être. J'espère avoir répondu à votre question. Et puis, juste une deuxième clarification. Vous avez parlé d'un mouchard hier. En répondant au juge Laverne, et vous avez dit que le moucheur est mort dans le camp. Comment est-il mort dans le camp? Est-ce que vous pouvez donner des précisions? Il est mort d'une crise aiguë de paludisme, et comme il y avait une certaine sympathie entre lui et moi, c'était manifestement le seul qui, soit de sa propre initiative, soit autorisé par Douille, venait me parler avec beaucoup de liberté. Il m'avait parlé de son père, il était extrêmement peiné par le fait que son père
quand, au moment où j'étais justement à M13, est décédé. Et il ne se pardonnait pas de ne pas avoir été là parce qu'il l'avait promis à son père d'être là le jour de la mort de son père. Et peut-être affecté très fortement par cette circonstance, quelques jours après ou une semaine après, il a eu, comme la plupart des prisonniers, une crise aiguë de paludisme. Mais il s'est trouvé qu'il en est mort lui-même. Et avant de mourir, il a demandé à voir le français. Il était dans, je me souviens plus très bien dans quel endroit il était, mais dans une des baraques au bord, ou peut-être même sur un, je me souviens plus de l'endroit où je suis allé le voir, les gardes m'ont détaché spécialement pour aller le voir. Et quand je suis arrivé, il ne m'a pas identifié et il est mort pratiquement sur le moment. Voilà les circonstances qui m'ont amené à dire ça. Je ne sais pas si c'était un mouchard ou non. C'était en tout cas un prisonnier qui avait le sentiment de n'avoir rien fait et qui était là depuis plus d'un an. Et il attendait son élargissement d'un jour à l'autre. Et il était désolé de ne pas avoir pu être libéré avant la mort de son père. Il y a eu une autre circonstance aussi où je ne peux pas moi-même dire s'il s'agissait d'un mouchard ou non, mais un vieux monsieur s'est approché de moi. Le soir, la nuit tombée, probablement, est venu m'apporter un demi-kilo de sucre en poudre. Ce vieux monsieur m'a dit, j'étais là du temps des Japonais. Les prisonniers français qui ont essayé de s'échapper n'y sont jamais parvenus. Et il m'a incité, il m'a exhorté de ne pas tenter de m'évader parce que je n'avais aucune possibilité de pouvoir réussir mon évasion. Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit, voilà le sucre, mange, c'est bon, tu dois te nourrir. Mais surtout, ne t'évade pas. J'étais très étonné des risques d'un paysan qui n'était pas du tout un prisonnier du camp prenne pour venir me dire ça. Et sur le coup, j'ai trouvé que c'était une démarche courageuse et j'ai apprécié évidemment énormément le paquet de sucre. Cela dit, par la suite, je me suis posé la question, est-ce que ce n'était pas quelqu'un qui avait été commandité pour venir me parler afin de ne pas d'étouffer en moi des velléités d'évasion que je dois reconnaître, dont j'étais, je dois le reconnaître, habité, puisque j'avais décidé de m'évader à partir du 1er janvier. Pensant que je n'aurais plus aucune chance d'être libéré si je ne l'étais pas au bout de 3 mois. J'ai juste encore deux questions, M. le Président. La première par rapport aux interrogatoires, M. Bizot. Vous avez expliqué hier, vous avez dit hier, je ne pouvais pas apporter la preuve de ma non-culpabilité. Et vous avez expliqué qu'à un moment donné, vous êtes dit que vous ne pourriez pas prouver votre innocence. Et puis, répondant à M. Petit, le co-procureur, vous avez parlé de cet exemple de simulacre. J'ai juste une question par rapport à cela, M. Bizot. Est-ce que vous pensez qu'un Cambodgien
quelqu'un peut-être sans votre éducation, sans votre érudition de membre de l'école française d'Extrême-Orient, est-ce que vous pensez que quelqu'un, un Cambodgien interrogé par l'accusé, pouvait apporter la preuve de sa non-culpabilité comme vous avez vous-même finalement réussi à le faire? Je ne le pense pas. Je ne dis pas que je sais que ce n'est pas ça. Je dis je ne le pense pas. Je pense que, étant dans un camp de détention, il n'y avait pas d'autre issue que la culpabilité. J'ai l'impression aussi que toute tentative d'essayer de dire que les accusations qui étaient portées contre soi étaient injustes, étaient infondées, ne faisait que retarder douloureusement le moment, de toute manière, de la mort. C'est ce que je pense. Et en revanche, je n'ai pas l'impression d'avoir réussi à convaincre l'accusé de mon innocence. Moi-même, je pense que c'est une idée qu'il s'est faite lui-même sur la base du recoupement de entre ce que j'ai dit au cours des interrogatoires et du recoupement qu'il pouvait faire avec l'aïe et sol sur mes activités. D'une certaine manière, j'ai bénéficié. Je n'en tire que de la souffrance dans ce souvenir, mais la présence de l'aïe et son dans ce camp a été un élément, j'imagine, fondamental pour ma libération, parce que tout ce que j'ai dit d'un côté ne pouvait être que confirmé par des contre-interrogatoires appuyés sur leurs souvenirs à eux. Les quelques entretiens, les nombreux entretiens que vous avez donnés à la presse ces derniers mois et ces dernières années, il y a un thème récurrent qui est le fait que derrière le masque du monstre, il faut voir l'homme, il faut réussir à voir l'être humain. Et vous avez vous-même apparemment réussi à faire cette démarche par rapport à l'accusé et à voir l'homme. Bien sûr, cette démarche vous appartient et parlons pour mes parties civiles, nous la respectons. J'ai juste une question par rapport à cela. Vous n'avez pas seulement été victime de l'accusé, vous avez été détenu par une organisation, les Khmer Rouges, et bien sûr vous savez ce qu'ils ont fait ensuite à ce pays, qui est un pays que vous aimez. Est-ce que vous êtes dans la même démarche de voir l'homme au-delà du bourreau par rapport au responsable Khmer Rouge encore vivant et en attente de procès avec lesquels vous n'avez pas eu d'interaction directe? Je pense notamment à Nguyen Chua. Est-ce que vous avez arrivé également par rapport à lui à voir l'homme? Oui, maître. Je n'ai pas fini. Ce que je veux dire par là, c'est que pour prendre la mesure de l'abomination du bourreau et de son action, qu'il s'agisse tout particulièrement, vous venez de citer le nom de Nguyen Chua, ou de l'accusé. Je dis que pour prendre la mesure de cette abomination, c'est en faisant, en réhabilitant en lui l'humanité qu'il habite, que nous prenons cette mesure. Si nous en faisons un monstre à part dans lequel nous ne sommes pas en mesure de nous reconnaître en tant qu'être humain, non pas en tant que ce qu'il a pu faire, mais en tant qu'être humain, l'horreur de son action me semble nous échapper d'une certaine mesure.
Alors que si nous considérons qu'il est un homme avec les mêmes capacités que nous-mêmes, nous sommes effrayés au-delà de cette espèce de ségrégation qu'il faudrait faire entre les gens qui seraient capables de tuer et puis nous qui n'en sommes pas capables. Je crains malheureusement qu'on a une compréhension plus effrayante du bourreau quand on prend sa mesure humaine. D'autre part, essayer de comprendre, ce n'est pas vouloir pardonner. Il n'y a, me semble-t-il, aucun pardon possible. Au nom de qui peut-on pardonner? Au nom de ceux qui sont morts? Je ne le pense pas. Et l'horreur de ce qui a été fait au Cambodge, qui n'est pas exclusif, malheureusement, à ce pauvre pays, c'est une horreur sans fond. Et le cri des victimes doit être entendu sans jamais penser qu'il puisse être excessif. Les mots les plus durs qu'on peut avoir contre l'accusé sont des mots qui ne seront jamais assez durs. Il ne s'agit pas de vouloir pardonner ce qui a été fait. Il s'agit, dans la démarche, qui n'a aucune raison d'être celle des victimes, c'est d'essayer de comprendre le drame qui s'est joué dans les forêts du Cambodge comme dans celles d'autres pays ou dans d'autres circonstances de notre histoire, même parmi l'histoire la plus récente. Merci d'avoir répondu à mes questions, M. Bizot. Je n'ai pas d'autres questions, M. le Président. Thank you, Mr. President. My name is Zilke Stutzinski. I'm co-lawyer for a civil parties. Mr. Bizot, I would come back to something, your relationship with the accused during your three-month stay, which you described and in the English translation was translated a kind of familiarity. Could you please tell us how often and on which subjects, if you remember them, you had communication and intellectual exchange, as I understood yesterday, with the accused. Je voyais le responsable du camp, Douit, l'accusé, pratiquement tous les jours. J'étais moi-même dans l'incapacité de contenir mes pleurs, ma souffrance et le sentiment d'incompréhension et d'injustice que j'éprouvais. Cela se traduisait, la plupart du temps, s'exprimait par de la colère. Une colère bien vaine, que je n'exerçais d'ailleurs que contre moi-même, mais au cours des interrogatoires, au cours des questions que Doute me posait, je trouvais une manière
d'exprimer l'insupportable injustice de cette accusation qui a été portée contre moi, je trouvais un soulagement à moi-même poser des questions en retour à mon interrogateur. Je dois dire qu'il s'est pris au jeu et qu'il m'a parlé de sa famille pour que, peut-être, c'est moi qui l'ajoute, que je parle mieux de la mienne. Il m'a parlé du travail qu'il faisait quand il enseignait les mathématiques à Concontrom. Peut-être aussi pour que je parle mieux du mien. Mais tout cela n'a pas été sans créer une certaine régularité dans les rapports quotidiens que nous avions. Nous reprenons les discussions de la veille. J'étais contredit sur des points que j'avais évoqués qui ne correspondaient pas à son travail d'interrogateur. Tout cela a créé une sorte de quotidien d'habitude qui a fait, je pense, que si moi j'ai reçu de cette épreuve d'incarcération un choc que je ne peux pas oublier, qui a été de voir l'homme derrière le bourreau, je pense qu'il a fait avec moi ce qu'aucun bourreau ne devrait faire d'une certaine manière. C'est qu'il a été aussi amené à voir l'homme derrière l'espion, l'homme derrière le prisonnier. Et une des raisons, peut-être, qui a fait que Doud ait été amené à considérer mon cas avec une attention qu'il n'a pas eue avec les autres cas qui lui étaient présentés de prisonniers dans le camp, c'est peut-être aussi du fait que ces interrogatoires qui ont duré si longtemps ont pu créer une sorte de lien d'humanité entre nous, ce faisant, m'envoyer à la mort devenait quelque chose de beaucoup plus difficile quand on envoie à la mort des gens que l'on n'a pas, que l'on a déshumanisé, ou en tout cas que l'on n'a pas voulu humaniser. Je ne sais pas, maître, si j'ai répondu à votre question. Yes, thank you. Come back to one part of my question. Am I right the word to call it also not only questioning or returning questioning him, but also did you discuss, can it be described as a discussion on matters like, for example, your work, Buddhism, but not as an interrogation, but more during the time, more discussion and exchange than an interrogation. Je ne dirais pas cela, je pense que tous ces échanges, toutes ces discussions étaient sous-tendues par dans un but précis, avec un objectif clair qui était celui de me mettre en défaut, de m'amener à me contredire. Je ne sais pas si la cohérence de mes réponses a toujours été satisfaisante, mais il en est ressorti pour lui un certain nombre d'éléments qui lui permettaient de penser que je n'étais pas un espion de la CIA. Et c'est ce qu'il a fait valoir à ses supérieurs. Je ne pense pas qu'il y ait eu, sauf peut-être d'une certaine manière,
le dernier jour, quand j'ai été libéré de mes entraves, qu'il y ait eu quelque chose de simplement amical ou libre, ou le contexte était trop infernal, on ne peut pas parler de relations normales entre un geôlier et un prisonnier, surtout dans un camp comme celui-là. Thank you, Mr. Bizot. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Bizot, je m'appelle Philippe Cannon, je suis en charge de la défense des intérêts du groupe 3 des parties civiles. Avec ma consoeur Mok Sovanari, nous représentons 28 personnes. Elle vous posera dans quelques instants deux questions. J'ai, pour ce qui me concerne, quatre brèves questions. La première, je voudrais savoir, M. Bizot, si vous avez connaissance pendant le temps de votre détention du nombre d'exécutions perpétrées. J'ai l'impression avoir fait une estimation comme celle-là dans mon livre. Les choses ne sont plus claires maintenant dans ma mémoire. Les exécutions, c'est plus difficile, étant donné que je voyais entrer les gens, j'en voyais sortir. J'ai toujours eu l'impression que ceux qui sortaient, c'était pour être exécutés. En restituer le nombre comme ça, je pense que ce serait trop aléatoire. Il y a eu aussi une quinzaine de personnes qui sont mortes du paludisme, qui sont mortes du paludisme quand j'y étais. Je ne peux malheureusement pas être plus précis sur le nombre des exécutions qui ont pu avoir lieu pendant le temps où j'étais à M13. J'ajouterai quand même que j'ai le sentiment que tous les prisonniers que j'ai vus entrer et que j'ai encore vus en partant, que ces prisonniers ont dû mourir. Vous nous avez dit hier, monsieur, que vous aviez assisté à des séances de confession et d'autocritique qui se tenaient régulièrement. Vous entendez le Khmer, vous me parlez. Est-ce que vous pouvez nous rapporter quelle était la nature de ces confessions et de ces autocritiques, leur contenu? Il s'agissait essentiellement de séances de formation, d'endoctrinement, d'enseignement politique, comment dire, des jeunes gardiens. Niveau de ces échanges entre l'instructeur et les jeunes gardiens était celui de jeunes garçons allant de 14-15 ans à 18. Et il s'agissait de petites fautes risibles dont chacun était susceptible de s'accuser. Dans l'intention de corriger son comportement en faveur de l'action révolutionnaire. Ces séances étaient appelées Rien Saut, c'est le terme bouddhique qui était employé pour réciter des prières, apprendre les prières et d'une certaine manière l'éducation religieuse.
Il y avait un certain nombre d'expressions employées par les Khmer Rouge ou d'images tirées de la discipline bouddhique. Je ne dis pas du bouddhisme, je dis de la discipline, des mécanismes disciplinaires du bouddhisme. Les moines sont aussi astreints à exprimer, à dire, à révéler des fautes qui auraient été commises. Le jeune révolutionnaire disait donc qu'il avait, par exemple, oublié d'enlever le linge qui avait séché la veille et qu'il avait plu la nuit et qu'aujourd'hui les chemises étaient mouillées par sa faute. Chacun s'accusait de petites choses pour montrer sa bonne volonté. Là où c'était beaucoup plus pernicieux, c'était le deuxième tour où c'était le voisin qui aidait quand l'un des garçons présents était appelé à aider son voisin à voir des fautes dont le voisin ne s'était pas accusé parce qu'il avait oublié de le faire. Donc là, on rentrait dans des mécanismes, des chamailleries d'écoliers ou de jeunes garçons. Mais ça n'allait jamais très loin. L'idée, c'était manifestement de donner une sorte de tenue morale révolutionnaire à chacun des membres de cette petite communauté du camp. Je reviens, M. Bizot, à vos propres interrogatoires. Est-ce qu'il est arrivé, pour essayer de vous confondre, que l'on vous présente des documents falsifiés relatifs à votre prétendue culpabilité? Non, à aucun moment il ne s'est passé quelque chose comme ça. Je quitte les faits, M. Bizot, puisque de très nombreuses questions vous ont été posées. Je crois que la hauteur de vue à laquelle vous vous êtes situé tout à l'heure et la distance que vous avez volontairement prise m'autorise peut-être à vous interroger sur votre ressenti. Est-ce que vous me permettez de faire cette démarche auprès de vous? Alors, ma dernière question, monsieur, se dédouble. Pendant l'instruction et pendant la détention du Duc, vous avez demandé à le rencontrer. On a bien compris, et je rejoins mon confrère Werner sur le respect qui témoigne. Par rapport à cette démarche, on a bien compris votre volonté d'essayer de comprendre la complexité de l'âme humaine. Donc, deux demi-questions. Est-ce qu'aujourd'hui, les remords, les regrets, qui n'ont pas été manifestés à l'époque, à quelque moment que ce soit, vous nous l'avez dit, viennent à l'esprit de Dieu? Deuxième question, vous pourrez répondre ainsi sur l'ensemble. Lorsque vous quittez vos camarades, dont vous dites « camarades français, ne nous oublie pas », si Lai et Son étaient aujourd'hui ici, qu'attendrait-il de cette confrontation? Qu'attendrait-il de ce procès? Et vous m'avez compris, M. Bizot, au-delà de ces deux compagnons, que peuvent attendre aujourd'hui les partis civils? Je ne peux pas répondre à la place de Lai et de Son. En revanche, je ne m'autorise pas le statut de victime. Si j'essaye de me mettre
à la place des survivants ou de ceux qui sont morts sous la torture ou après la torture. Je pense que le mécanisme qui pourrait être le mien afin d'apaiser mon inextinguible souffrance, haine, serait de me sentir quitte. Serait d'être capable de voir que dans la souffrance aujourd'hui infligée à l'accusé, je retrouve mon compte. Je m'interroge sur la possibilité qu'il puisse y avoir une sorte d'apaisement chez les victimes aujourd'hui, dans la mesure où cela est possible, je n'imagine pas. Mais si c'est possible, j'ai le même sentiment, puisque c'est à moi que vous posez la question, que ce serait dans la mesure où je me sentirais quitte. Je verrais que la souffrance infligée à celui qui a torturé mon père, tué mes enfants, puisse être égale à celle que j'en dis. Je vous remercie, monsieur. Ma consœur cambodgienne prend le relais avec deux autres questions. ខ្ញុំសូមអរគុណលោកវីសូបាទសហសេវករបស់ខ្ញុំនឹងបន្តខ្ញុំមានសំណួរពីរដើម្បីសួរលោកសំណួរទី1គឺអ្នកខ្ញុំសូមត្រឡប់ទៅដល់ហេតុការណ៍មួយដែលលោកបានឆ្លើយនៅចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបនៅក្នុងកំណត់ 40 Je ne sais pas, malheureusement, je ne peux pas répondre avec précision à votre question, maître. La seule chose que je puisse dire, je ne suis même pas sûr qu'il s'agisse d'un simulacre. La seule chose, c'est que j'ai été conduit au milieu de soldats en armes, que mon corps a été placé, déplacé, puis orienté. Que j'ai entendu le bruit des culasses. Et que le coup attendu n'est pas venu. Et qu'au bout d'un certain temps, des mains fermes m'ont fait changer de place à nouveau. M'ont conduit, toujours les yeux bandés, sur ce qui s'est avéré être un chemin alors que nous étions dans la rizière. S'agit-il d'une exécution qui a tourné court, comme je pense l'avoir dit hier, ou d'un simulacre pour me faire peur? Je n'en sais pas plus que ça. សំណួរទី2របស់អ្នកខ្ញុំហើយក៏ជាសំណួរចុងក្រោយដែរចាគឺតកតងជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការសួរចម្លើយដែលជនជាប់ចោតបានសួរចម្លើយទៅរូបលោកលោកបានដឹងថាគ្រប់អ្នកទោសទាំងអស់ដែលអ្នកទោសដែលនៅមន្ទីរម-11
ដែលសួរចម្លើយតែងតែទទួលរងនៅការធ្វើទីរនកម្មចំណែកករណីរបស់លោកគឺជាករណីពិសេសហើយលោកត្រូវបានសួរចម្លើយដោយផ្ទាល់អំពីជនជាប់ចោតមួយទៀតនៅពេលដែលសួរចម្លើយក្នុងរយៈពេលកំឡុងពេលនៃការសួរចម្លើយលោកគឺបានបង្កើតឲ្យមានភាពស្និទ្ធស្នាលមួយដែលលោកបានបញ្ជាក់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាតេតតងជាមួយនឹងទំនាក់ទំនងចិត្តស្និទ្ធមួយរវាងលោកជាមួយនឹងជនជាប់ចោត ហើយលោកបាននិយាយថាជនជាប់ចោតបានប្រាប់លោកអំពីប្រវត្តិរបស់គាត់អំពីរឿងរបស់គាត់ហើយលោកគិតថាវាជារបៀបមួយដែលជនជាប់ចោតចង់ប្រាប់លោកថានេះជាវិធីដែលលោកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅគាត់វិញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើ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 ត
chấp khuôn lộ nâu chnam mùi bọn 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 rồi chất sập mùi mà tôi bên ní vì mình dạy bây xa âm sập bọn bây chnam chiêng hai mình chẳng bảo bệnh thiếp vì môn mà lâu ní ca trong trăm rồi bỏ lộ cứ lộ bàn chùm điệp chùm lộ cho khám chẳng hai thà bê khá chì ca gọt sầm quá nâu khăn nông sịp hoa để lộ tạ tài chẳng nhâm xôm xô lộ chọp tay mà đón thà cao bi lộ đụch đại chìa bảo thiên mình ti mò đọc bầy bên nước lục tàu ban chạp luôn tàu đạ tì nục ta lục ban squal rư tròn trăm thả miên nẹ đầy miên mục nghĩa bà hạ bà hai lục đích bần ma nẹ tiết nâng chứ mùa vầy xa xong bực chạy tìm mùi Est-ce qu'il est possible de répéter juste la fin, s'il vous plaît? Bakhyom chang su tha no more da bay de lok min prasah mao nu ke min lok doch chi prathean mo da bay kalaing da ke khum khang lok ne chnam 1971 knong yap pel 3 khai na na krao ampi lok doch ta min na na khla tiet đại lục chọn chạm bán hư lục squal đại miền một nghĩa và hạ và hai lục đối hai ta miền chung mùa vậy la seule personne dont je puisse me souvenir qui avait une responsabilité était celui que je considère comme ayant été l'adjoint de Douy. Cet homme était plus âgé que l'accusé. Je ne me souviens pas du tout du nom qu'il avait pris, mais je l'ai su, mais je l'ai oublié. Je me souviens que cet homme était quelqu'un qui m'inspirait beaucoup de crainte. Et je ne vois pas que l'accusé ait eu un autre second, si l'on peut dire, dans la période de 3 mois où j'étais à M13. C'était un homme brutal. Cynique. Et j'étais pas le seul à avoir, en avoir peur. Je pense que s'il avait été le responsable du camp, je ne serais plus vivant. Et c'est surtout, ensuite, manifestement, je ne dépendais plus directement de lui. Mais les premières heures dans le camp, se sont passés sous sa direction et en sa présence. Et l'accueil a été particulièrement difficile. C'est la raison pour laquelle je dis que j'étais effrayé à l'idée de devoir dépendre de lui pendant toute ma détention. Et je n'étais pas le seul prisonnier à exprimer ce sentiment. Les gardiens même avaient des hésitations par rapport à lui et ne en parlaient peu ou en tout cas à mot couvert. C'était quelqu'un qui n'était pas aimé dans le camp. Je ne veux pas dire que les autres étaient aimés, bien entendu, mais ça
personnalité était particulièrement agressive. C'était notoire. ខ្ញុំសូមសួរលោកបន្តទៅចំណុចនេះទៀតកាលពីថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2008លោកបានធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងសហចៅក្រុមសើបអង្កេតលោកម៉ាសេលឡូម៉ុងនិងលោកយូប៊ុនលេង តើតោងជាមួយនឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈនៅក្នុងឯកសារ ER00-10683 នៃឯកសារ D40នៅក្នុងសំណួររបស់លោកចៅក្រមពេលនោះលោកបានឆ្លើយថាចំពោះបុគ្គលិកលក្ខណៈដូចដែលលោកបញ្ជាក់មនុស្សគួរឲ្យខ្លាចនេះដែលមិនដឹងថាអ្វីជាការយល់ច្រឡំនោះទេ គេមានតែគោលការណ៍នៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងទំព័រទី2គឺចុងកន្ទុយ J'ai peut-être dit que Doute était cruel. Je ne me souviens plus du contexte dans lequel je l'ai dit. Si je fais maintenant référence à moi-même et à mon témoignage ici, je ne dirai pas que j'ai été témoin de cruauté de sa part. Par inférence, sachant qu'ils étaient amenés à battre des prisonniers, je ne puisse pas imaginer qu'on puisse le faire sans cruauté. Mais je n'ai pas été témoin de cela. Et quand je dis, si je l'ai dit, je ne me souviens pas du contexte, sorti comme ça, c'est un peu difficile pour moi. Mais si j'ai dit qu'il était effrayant, que Doute était effrayant, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Un responsable de camp où les prisonniers entrent, sont interrogés, battus et exécutés, peut difficilement inspirer un autre sentiment que celui de la crainte. Et de la frayeur. ខ្ញុំសូមលោកឡើងវិញថាកាលពីឆ្នាំ1971នៅពេលដែលខ្មែរក្រហមចាប់លោកនោះតើលោកចេះនិយាយភាសាខ្មែរច្បាស់លាស់ទេ? លោក François Bizot. Oui, oui, bien sûr. Je n'ai jamais parlé une autre langue pendant toute la période de ma détention. ខ្ញុំមិននិយាយភាសាអ្វីផ្សេងក្រៅពីភាសានេះទេនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃការឃុំឃាំងលោកនៅក្នុងមន្ទីរម.13នោះគឺស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាលោកមានសេរីភាពជាងគេរហូតអំបានមិញសម្បត្តិឮថាលោកមិនចាត់ទុកថាលោកនឹងជាជនរងគ្រោះទៅទៀតមិនដឹងជាខ្ញុំស្ដាប់ដោយការបកប្រែច្រឡំឬយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែខ្ញុំឮថាអញ្ចឹងហើយលោកបាន
ជំរាបថាលោកជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវតកតងនឹងអភិរិយអង្គរជាដើមនោះហើយលោកលោហុតបានធ្វើការបកប្រែសិភៅមួយដែលមានប្រហែលជា 30 ទំព័រក្រោយពេលដែលខ្មែរក្រហមដោះលែងលោកមកវិញលោកបានធ្វើការបកប្រែឯកសារនោះឲ្យស្ថានទូតបារាំងទៀត Je suis rentré le François Bizot de M13 par le bus, d'abord à pied, enfin, d'abord en 404 blanche, une vieille 404, ensuite à pied, ensuite j'ai pris le bus, j'avais une grande barbe et je suis rentré à pas compter jusque chez moi où j'ai retrouvé ma famille. Ces moments de joie intense étaient perturbés par la présence de ces documents que j'avais. Le seul souci qui m'animait, ayant été libéré, était 1. Le fait que mes deux collaborateurs soient restés là-bas et que moi je sois parti sans eux. Et ça, c'est une situation que je vis très mal, même encore maintenant. Et deux, la présence de ces documents qui pouvaient être exploités pour me faire quitter le Cambodge. Exploité par les gouvernementaux s'ils en avaient appris l'existence. Je ne voulais pas quitter le Cambodge. Je voulais rester avec ma famille au Cambodge et continuer mon travail. Si bien que ce document était pour moi quelque chose que j'ai d'une certaine manière occulté. Je m'en suis débarrassé très vite. L'ambassade de France m'a demandé de le traduire parce que moi-même, je n'avais guère confiance au traducteur officiel de l'ambassade. Je craignais qu'il y ait des fuites et qu'on rapporte en haut lieu du gouvernement républicain que j'avais ramené les documents. Je me suis donc attaché à traduire ce document. Et sans le secours de personne, parce que je n'osais pas demander quoi que ce soit à quiconque. Ce document était bourré de néologismes que j'avais beaucoup de mal à comprendre. Quoi qu'il en soit, j'ai remis un texte à l'ambassade. Et je regrette énormément que ces textes aient manifestement disparu. Il me semble permis de penser qu'il n'a pas été envoyé en France, mais que l'ambassade, comme je l'ai dit hier, a demandé au premier secrétaire de l'époque, ou au deuxième secrétaire, de traduire, de faire un résumé de ma traduction. Et c'est ce résumé qui a été envoyé en France. Le résumé dont j'ai obtenu une copie auprès des archives, monsieur le juge m'a dit hier qu'il correspondait à E2714. Ce document que j'ai lu moi-même est extrêmement pauvre.
Donc j'étais extrêmement embarrassé par la présence de ces documents sur moi que je n'osais pas poser à la maison et que je n'osais pas garder avec moi. Je m'en suis donc libéré le plus vite possible. J'ai dû le traduire. J'ai eu beaucoup de mal à le traduire. J'ai pris beaucoup de précautions pour le faire. Et quand j'ai remis ce document à l'ambassade, c'est un résumé qui a été envoyé en France. C'est ce que je suppose. En tout cas, le document lui-même, ma traduction, je ne l'ai pas retrouvé. Elle n'est pas dans les archives de l'ambassade du Quai d'Orsay. Quant au résumé dont j'ai pris connaissance de ce que j'avais donc écrit, je l'ai trouvé extrêmement vide de contenu et assez peu intéressant. Et voilà, je dois dire que je n'ai pas gardé de souvenirs précis du contenu du texte que j'avais écrit, en dehors du fait que, comme je l'ai dit, je n'ose plus employer les mots parce que les mots que j'utilise, ce sont des mots qui, comment dirais-je, qui appartiennent à des couches plus récentes que de cette époque, mais qui préfiguraient une politique déjà mise en place par les Khmer Rouges. Mais maintenant, je veux rester extrêmement réservé sur le contenu de ce document, étant donné qu'il y a trop de temps qui s'est passé pour pouvoir en parler. Le résumé existe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ban chlai chmuoy nang lok sa chao kram sue mket tak tong chmuoy nang tamok chang pa ha che lok skol chmuoh tamok ru skol tamok phang dae ru muoy ko lok saksa kraoy ma tiet ko man dang te tha doich khlaich tamok chang lok dae chuop tamok te no mo 13 non. Je n'ai pas rencontré Tamok à M13. En revanche, je l'ai croisé dans un village sur le chemin, sur le trajet d'M13, où je suis resté dans une maison, où je suis resté détenu une heure ou deux, enchaîné. Mais c'était un arrêt assez bref. Et il y avait un vieux villageois qui était avec moi et qui me parlait librement. Et c'est lui qui m'a dit que le Khmer, le responsable Khmer que je venais de voir et qui était passé, qui était redescendu de la maison alors que j'étais déjà enchaîné au pilier central, s'appelait Tamok. J'ai retenu ce nom. Ensuite, j'ai su que, je ne me souviens plus très bien, je ne pense pas que Doit ait nommé lui-même Tamok. Peut-être que si, je ne me souviens pas. Voilà. Voilà. ໄພນິຕິດອລມອງດອກ1ກະ5ນິຕິໂຈລໄວໃຫ້ລູກຫົງກົມຊູນມັນມີສຳນួរໄວ້ຈະສູ່ຕິດຈໍາໂຈລມາໄວໃນເຫດປົມນີ້ຄືມີປັນຫາຄາງຟິລແລະຖືອໍພອງໃຫ້ມົນຕີຕຸລາການສົມອັນເຊີນສັກໄສ ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយសូមអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកវិញនៅពេលម៉ោង 11:05 នាទីដើម្បីបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មបញ្ចប់ព្រឹកនេះសូមអញ្ជើញក្រោយចូល please stand up